Hé madame, où tu vas? Non, 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 attention, maintenant historique des Dolly & Co. Toi, tu as commencé comment alors? Moi, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Dolly Bird avec Thierry. Notamment. Ça me dit quelque chose. Mm-hmm. Thierry, bien sûr, le tambour, Zoupsy, etc., voilà. etc. On va passer à Martial. Curieuse carrière que ce garçon, quand même. Oui, il faisait partie de Georges V avant. Tu sais que Georges V, ça me rappelle une très belle époque. C'était une époque, la première émission de rock qu'on avait fait à FR3, mm-hmm. à l'époque, qui s'appelait 44 degrés. C'était en 80 que toute l'aventure a commencé. Allez, on continue. Pas. Tu n'étais pas né. Non, je ne pas. On continue, le bassiste. Alors, Beber, il faisait partie de Lions Bones. Ouais, très bon groupe, ça. Mmh, très, très sympa, bon groupe. Ouais. Et puis, bien sûr, on arrive au petit nouveau, tout nouveau, oui, tout beau. Alors, raconte cette histoire, quand même. Eh bien, Michael, c'était notre Aude, en fait. Et puis, il vendait les CD, il faisait le son. Il faisait un morceau avec nous, un blues aussi sur scène. Et puis, lorsque Scalpa est parti vers de nouvelles aventures, absolument. Et il nous a rejoints, en fait, et il s'est mis à la guitare. Enfin, il s'est mis. Ça faisait longtemps qu'il en joue, puisque ses deux frères sont d'illustres guitaristes. Tu peux les citer quand même. Et bien, il y a Jojo Josselin, qui est prof de guitare, qui fait un groupe aussi actuellement. Et puis, il y a le fameux Yann des Squealers. Parfait. Allez, va vite rejoindre tes petits camarades de classe. En attendant, je vous montre l'album des Dolly & Co. Bien évidemment, vous l'avez tous dans votre discothèque. Un extrait de cet album aujourd'hui dans Tempo, Really Got You. Et l'album s'appelle No One No Feeling. Et dites donc, c'est une production France 3 Ouest Tempo quand même, hein, Dolly & Co. Show me, you're mine.
Bravo. Fabuleux, bouleversifiant, je suis cloué dans ma Chevrolet Corvette, Emmanuel. Merci. Quel grand groupe de rock que de Lianco quand même. Oui. Je pense que François a eu raison de produire un certain album. Oui, je suis d'accord, hein? Oui. Hein?